Yo. Ah, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode du Donjon de Dundalbuck. Alors, la dernière fois, on avait pas mal parcouru. Et on s'était arrêté dans la taverne. Donc, continuer. On va continuer. Pourquoi j'ai des grandes bandes noires comme ça ici? C'est bizarre. Mais il est long le chargement, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Allez. Alors, on va continuer notre progression, hein. Attends, on voit son slip là? C'est bizarre. On va continuer no notre progression dans la tour. On va essayer de mieux jouer que la dernière fois, enfin que la dernière partie, parce que on avait oublié de. Comment on appelle ça? On s'était un peu regroupé à côté d'un tonneau qui, quand les ennemis l'ont fait exploser, ça nous a bien mis dedans. Donc Hé là, on passe pas. Je suis une puissante sorcière. Voyez ma robe, bouseux. Pardon, Votre Excellence. Je vous ai confondu avec une autre. Enfin, je veux dire, passé, mais les autres Ils sont avec moi, c'est ma suite. Dans ce cas, pas de problème. Les larbins des sorciers sont ennemis, à condition qu'ils se tiennent tranquilles. Hé, de quoi? Je suis pas son serviteur. Mais ta gueule, tu vas tout faire foirer. Mais... Quoi? Non, non, rien, il a marché sur sa barbe. Eh bien, mes amis, ce fut un plaisir sans pareil. Je suis maintenant attendu pour un récital à la taverne, mais je travaillerai avec vous de nouveau avec grand plaisir si l'occasion se présente. C'est tellement beau quand il parle. Oui, travailler ensemble, pourquoi pas? Ou alors, on pourrait piétiner son chapeau foireux et péter son instrument. Bon, essayons de trouver de l'aide sans nous attirer des problèmes. Il y a des riches ici. En plus, ils sont habillés comme des femmes. On va tout piller. Inconscient, tu vas te faire désintégrer. Il y a des mages puissants ici. Arrêtez vos âneries. On est là pour la statuette et... Hé, c'est qui cette folle qui vient vers nous? Bonjour, je cherche des mercenaires aux aptitudes martiales développées. C'est que... nous sommes ici pour une quête et... Je suis prêtresse de Euclide et de haut lignage. C'est vous le chef de cette troupe à l'aspect rustique et hétéroclite? Oui, je... Il n'est chef de rien du tout. Vous êtes prêtresse du dieu de la guérison, vous dites? Absolument. Les soigneurs, c'est pour les faibles. Il faut que ça soit l'ennemi qui soigne ses blessures, pas nous. En fait, je n'ai pas encore reçu l'ordination malgré mon haut lignage. Les études sont si fastidieuses. Pour devenir prêtresse, on m'a demandé de triompher d'un monstre maléfique étrange, un spectre en cagoule noire qui hante les couloirs du donjon. Il a l'aspect d'un voleur ignoble. Ah! Bon sang! Le voleur! Bah oui, c'est le voleur, c'est notre pote, j'avais oublié. Le voleur du groupe! On l'a paumé! Ah oui, c'est... Qui ça? Aidez-moi. Et en retour, je condescendrai peut-être à participer à votre expédition de canailles et de gens mal élevés. J'ai toujours eu un faible pour les crapules mal rasés. Un peu comme vous. Ah oui, justement, je... C'est pas le moment de faire le joli cœur. C'est louche que le voleur ait disparu. Moi, je l'aime pas trop. Elle a mauvais genre. Du coup, moi, je l'aime bien. Sinon, on était ici pour questionner les gens à propos d'une statuette. Vous cherchez des objets d'art? J'ai une grande connaissance des sujets liés au luxe. Souvent, les hommes me font des cadeaux de grand prix. Vous m'en parlerez à l'occasion. Ah oui, bon, du coup,
On vous prend, enfin je veux dire, avec nous. Par les sons de l'aide de Navalou, c'est parfait. J'adore passer du temps avec les plébéiens. Qu'on en finisse avec ce monstre pervers. Il paraît qu'on l'a signalé au rez-de-chaussée. Ah non, sérieux, faut qu'on redescende tout. Bon, on va poser des questions. Bonjour, nous sommes à la recherche de renseignements. Plus tard, nous sommes en pleine réunion du comité de pilotage restreint élargi. Nous préparons des prodiges indicibles. Mais surtout, on mange une raclette aussi fromage. Revenez pendant la digestion. Nerlim, ouais, super. Revenez pendant la digestion. Ah d'accord. Ok, ça veut dire cassez-vous, bah alors cassons-nous. On peut rien faire d'autre, ça c'est un vendeur. Ça c'est les gardes, on peut pas ouvrir la grille. Alors on se casse. Par contre on est une soigneuse, ça ça peut être cool. On va prendre ça. Le rez-de-chaussée. Oh, elle fait la tête. La petite elfe. Parce qu'elle elle le trouve mignon. Il voulait qu'il la prenne pour danser. Et il a pris lui. Alors, je vous cache pas. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Que j'ai oublié la plupart des trucs. Des touches. Mais ça va le faire. Alors, il est censé être ici. Là, c'est lui, par le divin bistouri de Euclide. Quoi ? Vous ? Ah non, ça va encore mal finir. Hé, reviens ! Vous avez vu ? On aurait dit quelqu'un qu'on connaît. Oui, mais qui ? J'ai un doute. Peut-être l'elfe ? Mais pas du tout ! Moi, j'ai des beaux cheveux ! Ou alors, c'était l'ogre ? Takalas Balaf ! Je crois que c'était le voleur. Celui de notre groupe. Bon, eh bien, suivons ses traces, cher compagnon roturier. C'est encore lui. Détruisons-le. Mais vous allez me lâcher, oui. Vous ne me parliez jamais quand j'étais vivant. Et maintenant, vous me suivez partout. Assez. Ah non, mais il va pas se barrer. Zut. Encore raté. Un perpétuel. J'en ai marre de cavaler dans la verdure. Forcément. Pourquoi t'as deux si petites jambes? Parce que dans les mines, c'est bas de plafond, connasse. C'est pas très logique. Si c'est le plafond qui est bas, il faudrait raccourcir votre tête. Ou alors, c'est le sol qui est trop haut. Je crois qu'il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart de la logique. Qu'elle se tienne à l'écart, tout court. Ouais, c'est clair. Là, il y a une barrière. On peut pas l'ouvrir. Il y a des papillons. Ça, c'est mignon, les papillons. Je regarde hein, s'il n'y a pas un coffre, forcément. Allez. Voilà. Encore cet étrange personnage à l'allure malsaine. Il est fait comme un rat. Ouais, on va lui péter tous les tibias, même ceux des bras. Quand je pense que vous n'avez pas levé le petit doigt pour me sauver quand j'ai été transformé en tas de cendres. À l'heure des charges, le bouche à bouche avec des cendres, ce n'est pas très pratique. On aurait pu le balayer sous un tapis, c'est plus propre. Même moi, j'ai pas été aussi méchant. Quoi ? Mais pas du tout, c'est de l'hygiène. Je vais vous faire regretter amèrement toutes ces avanies. Mais si, c'est méchant. Mais pas du tout, je dis juste que balayer la poussière, c'est mieux. Mais vous m'ignorez encore ! Je vous déteste ! Vous allez me payer ! Tu vas faire quoi ?
Nous attaquer avec un couteau à tartiner? Kalamiam Sploud. Il dit que les tartines, c'est bon. Vous n'avez rien compris. C'est un piège mortel destiné à l'exercice de ma vengeance. Je vous ai attiré ici pour vous terrasser et me repaître de vos entrailles. À moi, mon armée des ombres. Ok, condition de victoire. Vaincre le voleur maléfique pour faire disparaître ses alliés. Attention au piège au sol. Eh ben voilà, on a la réponse. Il faut le buter. Ah putain, il y a des araignées. Bon. Par contre. Alors. Toi, t'es bien là. Ouais. Le nain. Tu vas te mettre là. L'archer. Tu vas te mettre à côté du gros. La soigneuse. Ici. Toi. Ici. Et toi. Ici. Non. Toi. Ici, comme ça tu peux caster aussi là-bas. Bah ça a l'air bon. On y go. Vous n'allez pas m'ignorer cette fois. Vous écoutez, oui. Alors, la furtivité est une compétence accessible uniquement aux voleurs. Mais elle est également utilisée par certains ennemis. Elle permet au personnage qui l'utilise de disparaître tout simplement. Dès lors, le personnage est invisible. Jusqu'à ce qu'il soit révélé par un effet de jeu. Donc jusqu'à ce qu'il attaque ou jusqu'à ce que... voilà. Un personnage furtif peut être révélé de plusieurs manières. En encaissant des dégâts. En marchant sur un piège. En étant ciblé par un sol sur... par un sort, pardon. Et surtout, s'il se retrouve sur une des trois cases devant l'ennemi. Ok. Alors... C'est vrai qu'il avait ça lui. Est-ce que tu peux lancer un truc? Non. Le nain. Le nain aussi, il avait un truc. Ah là, ça c'est cool. Voilà, c'est bien ça. C'est bien, monsieur le nain. Alors, groom. Posture défensive. Coup de ventre. Euclide vous mettra au repos. Ouais, toi aussi. Une remontée de gaz. Donc, non. Toi, tu restes là pour l'instant. L'attaque dans le dos, mais c'est pas grave. Ok, on peut se faire attaquer par la... Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait se faire attaquer par la droite. Zut. Bon, c'est pas grave.
Ok. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends. Attaque sacrée, voilà. Ok, je peux le ken. Ok, non, faut qu'elle avance pour ça. Une prière curative qui soigne légèrement une cible. Un souffle divin. Il retire tous les états. Une position momentanément. Tu feras moins la maline avec 5 ou 6 pattes en moins. Protection. Bah voilà, on va faire ça. On va attaquer lui. Super. Heureusement qu'on a le caster. Enfin, je dis heureusement, mais. Ah, il est pas mort. Soupa. Ah, si, il est mort. Et on a mon ami l'archère. C'est bien. Voilà. Ma vengeance est là. Qui vient? On va vigourer. Ouais, si on va vigourer. Oh là là, elle a bouffé, elle. Attends. Chrome. Non, c'est le Ranger. Ranger, on va mettre le buff de... On va mettre le buff. De défense sur tout le monde. Tenez vos positions. Raté. Oh ah, non. Très bien. Il abuse. Oh. Chrome, tu fais ça. Un coup en arc de cercle. Ah mais là il va péter la, il va péter la caisse si je fais ça. Oh mais voilà. Merde. Attends, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Y a pas de... Attends. Il a pas attaqué le gros? Ouais, tu parles d'une prêtresse qui a même pas de pouvoir de soin. Ouais, c'est bien ce que je me disais, je gros, il a même pas attaqué, bordel. Je sais pas ce qui s'est passé, mais
Ah, oh, ça va pas le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Les ombres m'appartiennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, c'est le ranger. Ranger, faut qu'il guérisse. Ok. Ranger, tu vas guérir Chrome. Serre les dents. Voilà. Même pas mal. Ok. Chrome. Chrome, tu vas attaquer. Ce coup-ci, tu tapes. Ça poutre. Putain, mais non, c'est pas possible. J'aime pas les jeux où... Surtout ce jeu-là, je suis sûr, ils font semblant de te faire peur. J'ai la gerbe. Burp. Non, ça passe pas. Alors, posture défensive. Attaque sacrée, alors on va crever l'araignée. Les araignées, ça court vite. Et on va crever l'araignée là-bas. Enfin, on va crever. On s'est compris, hein. Je sais pas où il est le voleur, ça me saoule ça. Ah, les poulets, que se passe-t-il? C'est quoi ces poulets débiles? En même temps, s'ils attaquent les autres. S'ils s'attaquent entre eux, s'ils attaquent les autres ennemis, moi ça me dérange pas. Hein. Sérieux. Archer. Oh, c'est dommage. Mais je peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Pas bien. Parce qu'elle fait son taf. Ça fait 3 tours, qu'elle tire sa flèche, voilà. Comparé à Chrome, là. Je m'en fous que l'ennemi est furtif. Staki. C'est à toi. Tenez vos positions. Aïe. Attends. Retarder son tour. Le nain. C'est le nain, hein? Ouais, c'est le nain. Pourquoi il peut plus tirer avec son arbalète? Ah merde, ça me pose du souci, ça. La poule. Non, on va défoncer lui. Les vaches où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Trop fort.
Petite phrase détournée de... Comment on appelle ça? De Chuck Norris. La phrase de Chuck Norris, c'est je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Parce qu'il y a un mec qui lui dit alors mets plus les pieds ici ou une connerie comme ça. Alors attends. Ils sont empoisonnés ou ils sont pas empoisonnés? Lui il est empoisonné. Il est bizarre. C'est pas grave. Bon, ouais, on va le quicher lui. Ah bah c'est bon ça. J'ai plus qu'à faire Azareth, Metrium, Zintos. Je rigole, il n'y a pas ce sort ici. C'est poussière, un... tu retourneras la poussière. C'est un... Comment on appelle ça? Soin de blessure légère. Et ben voilà. Je savais pas quoi faire. Quoique j'aurais pu tuer lui. Ou je sais pas. Oh non gars. Ah il s'est fait attaquer par les poulets. Comme quoi les poulets. Ah oui, il a sorti d'autres poulets, d'accord. Ah bah heureusement que je l'ai soigné. Ah c'est gentil ça poulet. Par contre, ouais, ils sont vénères, hein, les poulets. Cette compétence ne peut être utilisée si un ennemi est au corps à corps. Et l'ennemi est au corps à corps. Je vais faire retarder son tour. Oui, c'est stratégique. J'aurais pu le buter avec ma lame, mais je préfère qu'elle ait une... Disons que je préfère. Bah là, on va faire ça. Oh non, mais lui... Non, mais lui, c'est un mauvais. C'est pas possible. Le mec, c'est un barbare, baston et tout ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je peux pas. Merde. Je peux pas faire ce que je veux. Passe ton tour. Mais c'est quoi sa technique à lui? Ah bah elle est morte. Bon bah lui... Ah si, il peut attaquer. Attaque le poulet. Oh mais merde. Aïe. Aïe. Je suis gros mais je sais pas me battre. Ah bah voilà, enfin. Putain, c'est des poulets, les gars. Arrêtez un peu votre... Et putain, il l'a même pas tué. Putain, je suis obligé de le faire, putain. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de tuer à sa place, quoi. À toi.
on s'en bat les reins. Bah alors ? Ah oui, toi faut que tu guérisses bah elle. Mais qu'est-ce que... Oui. Ah. Zarat Metrium Zintos. Cool, je l'ai touché. Les pouvoirs de Zarat sont plus forts. Hein. Oh là. Pas mal. Ça va piquer dur. Ouais. Et là, il attaque encore. Non, c'est bon. Flèche. Tu haches de poulet. Et bah voilà, tu as un poulet. Ah non, d'accord. Pas assez de... Les ombres m'appartiennent. Ça va être un peu tendu de le tuer lui, mais bon. Ah non, je pense qu'à bout d'un moment, il n'y a plus de poulet. Tenez vos positions. Ah, il est pas rechargé. Baston inflige 2 attaques successives à l'ennemi ciblé. Et si je te dis d'attaquer? Prends ça, mauviette. Non mais c'est pas possible, il tue pas. Il ne tue pas. Je suis obligé de tout faire à sa place, quoi. Ça me saoule. J'aurais dû le virer, lui. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh non, mais... C'est vrai que ce jeu me démoralise. C'est naze la magie. Attends, il est pas mort? Oh non, mais c'est... Aïe. Ah non, puis j'ai tué mon... Oh non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais là, le jeu, il est codé avec le cul, c'est pas possible. Et là on est mort. Ah non, il est au corps à corps. Bon, je lui ai fait faire 2 attaques, il en a tué... Ouais.
il peut pas marcher sur le corps de son pote? Non. Me sert à rien, lui. Hein. Retarder son tour. Tu peux soigner, toi? Non, il peut pas soigner. Enfin, pas ce tour-ci, en tout cas. Je l'ai touché. De toute façon, il mérite. Pour ce qui servait, hein. Je touche plus avec une attaque normale. C'est quoi? Tir lointain 14-20. 14-20 normalement. Total 80%. Là, j'ai 84% de faire mouche, ouais. Bah. Le beurre puis sert à rien. Ah, tu sais quoi, je vais le déplacer. Je devrais le déplacer. Oh bah, là on est mort. Il a tué tout le monde. Voilà. Putain. Il aurait pas été mort. Boum, il aurait tapé le... Sa face de l'autre. Ah non, il va repartir en furtif. Mais est-ce qu'il se déplace? C'est ça le truc. Oh, putain, ça meurt dans tous les sens. Ah merde, je suis con, j'avais oublié ça. Tu le désingues, hein. Oh non, c'est pas possible, j'en ai marre, sérieux. On peut pas faire ce genre de truc.
Ça a été laborieux, ça a été, ça a été pénible, ça a été tout ce que vous voulez. C'est une horreur. Vous savez quoi, on va pas les guérir, je vais payer pour à la taverne pour les guérir. Formidable. Ça évitera d'utiliser pour des les potions. Vous rendez de fiers services, un peu comme les chiens de mon père. Mais qu'elle est désagréable. Ouais, mais elle a des sorts de soins, elle. Oui, et puis elle a vraiment des arguments. C'est quoi un argument? Je crois que pour ces phallocrates, c'est tout ce qu'on a sous la robe. Mais moi, je suis nue sous ma tunique pourtant. Restez calme. Je suis entourée de filles nues sous leurs vêtements. Restez calme. Bon, eh bien je vous laisse. Je dois recevoir mon ordination à présent. À bientôt peut-être, chers amis de basse extraction. Bisous. Elle m'a fait un bisou, c'est... consternant. Attendez, aussi c'est de la statuette. Plus tard, plus tard. Bah voilà, ah zut, on s'est fait baiser. Il n'y a plus qu'à retourner au carré VIP, puisque j'ai toujours la robe. Nous pourrons... Ah, quelle horreur. Je suis revenu. Allons bon, là l'autre. Merci les amis, vous avez vaincu mon double maléfique. L'amulette, elle est vraiment maudite. Je l'avais ramassée pour voir si... Il a essayé de voler mon butin précieux, même si bon, j'en veux plus vraiment. Jetons là alors. Très bien. Sinon, personne ne veut savoir ce qui m'est arrivé là. Pas moi en tout cas. L'énergie astrale a l'air de se concentrer autour de nous. C'est mauvais signe. Mais donc, allez, faire un like d'adoc. Il dit que l'amulette est réapparue dans son sac. Ça veut dire qu'on a chopé une malédiction. Oh, nous sommes maudits. Chrome n'aime pas les maléfices. J'ai pas envie d'être ensorcelé, moi. Ça crame les poils de barbe. Je veux pas être un imberbe. Peut-être qu'un dispel magique... Dispel n'y changeront rien, ma chère. Même avec 10 râteaux et 10 sauts. Quoi? Quelqu'un a parlé? C'est quoi cette flip? On tourne en rond, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui tourne en rond chez des aventuriers qui ne tournent pas rond? Le bocal à poisson, peut-être? Errons, errons, bocal à poisson. Descends, voix bizarre, qu'on t'explose la face. C'est l'amulette. Je suis sûr que ça vient de là. Il y a vraiment un problème cosmique avec cet artefact. Il faut se pencher là-dessus avant de continuer la quête de la statuette. Et voilà, personne ne m'écoute. Encore. Tu peux arrêter de soupirer. Essaye d'être constructif au lieu de passer ton temps à te plaindre. Malgré votre côté distrayant, je ne peux vous laisser cette amulette. Mes paladins de la loose vont la reprendre sur vos cadavres fumants. Hey, oh non, de conserve. J'aurais dû soigner... J'aurais dû soigner mes mecs. Fais chier. Bah c'est une leçon à tirer. Prochain coup, tu soignes tes mecs. Ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3. Alors. Merde, non, c'est pas toi. Non, toi tu... Non, non, non. Toi. Tu viens tu vas venir à côté de là, tu vas venir ici. À côté de Chrome, parce que Chrome c'est vraiment une merde. Toi, tu te mets ici. Toi. Tu te mets ici.
Mais là... Et toi, ma jolie, tu te mets ici. Donnez l'amulette. Et on va mourir. Ouais, voilà. Alors. Ah. D'accord. Alors. Qui qu'on va soigner? Bah, il va soigner Chrome. Serre les dents. Le chaos est en marche. C'est bien ça. Il avait ce qui. Alors, vas-y gros, défonce-le. C'est pas grave, on te ramènera la vie après. Du genre maintenant. Azarath Metrium Zinto. Pas là, on peut passer ici. Voilà, mouvement comme ça, c'est bien. Ah merde. Non, c'est pas bien ça. Tiens. Ouais, je remets de la protec. Hein. Tenez vos positions. J'ai refait une erreur. Je mets ma hache où je veux. Mais c'est souvent dans la gueule. Trop mauvais ce gars. Oh là là.
ça l'a touché. C'est dommage ça. C'est pas bougé. Même pas mal. Je vois des pièces d'or là. Ah non. Et voilà. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai fait une grosse erreur. Qui est de... J'ai pas soigné mes bonus. Frappe d'opportunité de mes couilles. Fait chier, il a pas fait son taf, l'autre. Ouf. Là, je les soigne, même si je peux retourner au truc. Ah, copie. Eh ben, quel carnage! Je suis content de ma stratégie. Ouais, si, je vais les soigner parce que. La bière, c'est meilleur. Toi. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Voilà. Ils seront pas à fond, mais c'est pas grave. Eh ben, il y avait rien dans les armures en fait. Ils étaient nus sous leurs vêtements eux aussi. Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants. Ou pire encore. Pourquoi on lui a pas laissé l'amulette du coup? Si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Tiens, vous en avez encore mis partout, on dirait. Bon, parfois il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui, Zangdar? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Quoi? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. Il dit que pour épaissir la soupe au lard, il faut rajouter des lentilles. Ouais. Chapitre 3e. Intrigue à la taverne. Il y a peu de lieux plus importants pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires. On peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines vers des trésors fabuleux.
Bon, la plupart du temps, on se contente d'y prendre une bonne cuite. Par ma barbe, encore la taverne. On tourne en rond. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà-vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà-vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. Deux d'entre nous ont été remplacés par des doubles maléfiques. Et on peut pas se débarrasser de cette amulette moisie. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite. C'est pas moi qui empeste la sueur et la bière, boule de crasse sur pattes. Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Oh, mais bouclez-la! Bon, mais odeur corporelle mise à part, il faudra aussi enquêter sur ce Zangdar dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voilà. Hé, les débiles, j'ai votre oseille. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble? La justice n'attend pas et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fort aise de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations. Je pourrais tenter nos exploits à travers toute la contrée. Non, pas lui. Il est bien habillé et puis il sent bon, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. À coup la zone va, Douglas, copain. Il dit qu'il aime bien le ménestrel. Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste deux sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous pourriez penser nos plaies, c'est intéressant, mais j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. On pourrait recruter tout le monde. Ça va pas la tête, déjà que notre part de butin est limitée. Et alors? Si on rajoute des compagnons, le prorata individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. En clair, ça dit quoi? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. Alors, soit on choisit le ménestrel, la prêtresse, la paladine ou personne. Je serais d'avis de prendre la prêtresse pour soigner parce que on a vraiment besoin. On va prendre je la prêtresse. Je crois vraiment que la prêtresse a... Enfin, disons qu'elle a des atouts indispensables. Parfait. Je suis fort aise de me joindre à votre joyeuse bande de gueux à l'aspect hétéroclite et néanmoins prometteur. Je sens que la journée va être longue. Mais pourquoi les garçons, ils sont rouges quand ils la regardent? C'est parce qu'il fait chaud dans ce donjon. Pas du tout. S'il faisait chaud, j'aurais déjà enlevé mes vêtements. Chrome. Restez concentré. Bon, maintenant qu'on est au complet, il faut trouver le moyen de se débarrasser de cette amulette. Allons au carré VIP. Les maîtres en pouvoir des arcanes doivent avoir terminé leur collation. Hein? C'est un mot chic pour dire boostify. Bon. Ah oui, avant que tout ça ne continue. Non, c'est pas l'inventaire. C'est ça. Il y a eu du level. Donc. Un coup plein d'espoir naïf qui a fait deux fois plus de dégâts si assis à toutes ses points de vie. Non, ça c'est chaud. Je peux augmenter les soins. Peut augmenter la tactique du bouclier. Augmente la résistance. La parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. Augmente la protection, la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat.
C'est quoi la différence? Protection 2, parade 10, parade 10. Résistance magique 20, résistance physique 20, parade 10, esquive 10. C'est plus intéressant ça. Ça c'est quoi? C'est la précision plus 5. Précision plus 5, attaque d'opportunité 1. Je prendrai celui-là plus tard. On va prendre ça. Un vrai leader avec de vraies compétences. Alors, afflux sanguin tant que le ranger est adjacent à l'elfe. Ouais, ah oui, c'est les trucs adjacents. Tant que le ranger est adjacent au voleur. Le ranger peut maintenant utiliser un bouclier et gagne plus 5 en parade. C'est bien ça. Le ranger gagne une attaque d'opportunité. Il peut donc effectuer 2 par tour. Et peut-être c'est vachement plus utile que le rempaillage. Et peut-être mettre un boubou pour le... L'opportunité d'avoir un boubou, ça peut être intéressant. Alors, la cata à distance ou au corps à corps qui inflige des dégâts mineurs, la cible est immobilisée. Je sais pas, j'ai envie de prendre de nouvelles compétences, de nouveaux risques à prendre. Je m'améliore. Pour combien de temps? Ah d'accord, ça fait que je peux pas prendre... Je pourrais pas prendre furtivité. Si, je pourrais peut-être le prendre aussi, je pense. Je vais prendre ça d'abord. Alors, le nain, Torgnol. Ouais, non. Comment je savate les poneys? Dégagez les Nazbrocs, je suis trop puissant.
Et la prêtresse, voilà. Bon, ça a l'air bien. Maintenant, excusez-moi, mais maintenant on va aller dans l'inventaire. Et on va regarder s'il n'y a pas quelque chose pour... Chut, c'est le foutoir là-dedans. C'est quoi ça? Blessure à la jambe. Un moyen de mettre un point à une technique secrète basée sur le cloche-pied. Ah oui, il faut que je me soigne. Ça c'est quoi? Protection 1. Et ça? Protection 1, courage 1. Bouclier 3, attends, il est où le nain? Là. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Protection 1, parade 1. Faut que tu changes ton boubou toi, non? Ça tu peux pas le mettre? Ah non, c'est pour lui. Ok, c'est super. Ceinture, j'ai déjà. Sauf que là, la ceinture, c'est emplacement 1. C'est pour tout le monde. Plus 1, protection 3, mouvement moins 1, parade. Emplacement esquive. Peut-être faire ça. Que voulez-vous, mon roturier? Ah ouais, la ceinture. Lui, il n'y a pas de ceinture, lui. Attends, je t'ai mis quoi, toi? Ah oui, esquive. Tiens, on va te mettre ça, toi. Ah non, pas mes poches. Si ça sent, c'est mes bottes. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Excusez-moi, je fais ça vite fait. Bah oui, grande ronde de Gloff. C'était quoi, c'était ça? Je comprends pas, j'ai des marteaux pour lui et je peux pas lui mettre. Je peux pas te mettre ce marteau là. J'ai besoin d'une compétence passive. Attention à mes livres. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Alors, ton épée, elle fait quoi? Elle fait 25-39. Celle-ci, 16-25, 29-44. Ah, c'est celle-ci, il faut que tu mettes. Attends. Elle a fait... Chance de critique 2, dégâts critiques 2. Précision 5. Et celle-là? Précision 0, chance de critique... Ah, déjà qu'il est pas précis... Bon, c'est pas grave.
je suis toujours le plus démuni. Alors, toi, tes armes, ils font quoi? Ils font 13-16. Précision 15. Précision 15. Chance de critique 8. Dégâts critiques 2. Ah bah c'est les mêmes, sauf que c'est augmenté. Bah ouais, bah vas-y. Tu pars, merci. Tu pars sur ça, toi. Vraiment pour moi. Le nain, non. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame. Sauf si elle vous y invite. Toi, je vais te fouiller, toi. Ah, plus de bandages, plus de... Attends. Combien on a? On a 1000. Ça coûte 100 pour dormir. Ouais, vas-y, tant pis. On ne sait jamais. J'ai déjà été dans la galère tout à l'heure. Ah, ça, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils sont partis où, les bouffes? Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et... ça paye bien. Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace votre truc? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Y a une question dans votre phrase? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Ouais. Attendez, si je comprends bien... T'as joué aux cartes et t'as perdu, quoi. Vous avez joué aux cartes dans un tripot? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et sise à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi? Un autre sorcier? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes trois, mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. Bon, en gros... pour ceux qui n'ont pas suivi. On doit aller à la cave, péter la gueule à des mecs. Oh là, mais c'est que vous faites parler de vous, mes gaillards. Ah oui, nous sommes célèbres. Pardi, vous avez débarrassé le donjon du nain maléfique, c'est pas rien. Et du voleur maléfique aussi. Ah, il y en avait un? On n'avait pas remarqué. C'est trop injuste. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous avez la forme. Dites, il paraît que vous acceptez les petits boulots. Si c'est bien payé.
Et s'il y a de la baston? Non, mais là, c'est plutôt un service. Je dois aller à la cave chercher une caisse de pinard. Il faut de l'aide pour le boire? Non, mais là, c'est que j'ai pas trop le temps. Et puis, il y a des rats à la cave. J'aime pas trop. Du coup, je me disais, si vous y passez, vous pouvez peut-être me remonter une caisse. Je vous paye un coup en échange. Ou mieux, je vous donne une bouteille. C'est pas très glorieux comme quête. Ça va, tuer des rats et ramener du pinard, c'est dans nos cordes. La corde de mon arc ne sert pas à transporter du vin. C'est sûr, c'est plutôt une corde à linge. Bon, c'est si vous avez le temps, hein. À tout hasard, je vous prête une clé pour aller à la cave. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Allez, on va chercher du pinard. Prends l'ascenseur. Alors, la taverne. Hop. La cave. On va chercher du pinard et on va buter des mecs. Ah, il s'est fait embrocher ici. D'accord. Allez. Trouvons du pinard. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Alors, ça doit être le tripot. Bon, on va se bastonner contre des rats. Combien ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, d'accord, j'avais mal compté. Bref. Alors. Attention, les rats, ça mange les livres. Serrez les rangs!
J'aurais dû mettre un autre ici, j'aurais pas dû mettre lui. Pas mal pour un manuel. D'accord, je choisis ici. Eh, hey, du cam. Alors. Ouais, je sais pas, j'ai mal joué peut-être. Ne jamais me tourner le dos. J'ai même pas de protège, j'ai rien, je... Dans tes rêves! Aïe! C'est compliqué, hein, c'est compliqué, je suis pas... Déjà, je suis pas un mec doué, alors... Hein. Alors... Elle joue là. Non. Serre les dents. Saleté de rat. Tu m'attraperas pas, nananère. Le nain. Dans le genou. Putain. Le mec il vise le genou du rat quoi. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Ça vaut pas plus le coup de le défoncer. Ah, ils sont ensemble. Frappe d'opportunité, ouais. Alzabeto Navalu.
D'accord, c'est sur une personne. J'aime pas trop les rats. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. Attends, elle l'a pas tué alors qu'elle était en frappe de... Oh là 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 là, c'est pas possible. Même pas mal. Non, non, mais ne meurs pas, toi. Survie, tu peux le faire. Faut juste que tu tues... Ouais, vas-y, tue-lui au moins. Ce sera fait. C'est qui? C'est elle? Ah bah voilà. Oh, l'aide! Je suis empoisonnée! C'est rien, ça, c'est que du poison. Celle-là. Ouais, il l'a pas vu venir celle-là. Ouais, super. Jouer le barbare. Prends ça, Bobiette. Et voilà. Bon, je suis désolé, hein, le combat. Comment on leur a défoncé la clavicule? Le combat n'était pas glorieux, mais bon. C'est l'ogre. Akala glouglou, ouais. J'ai même pas vu ce que j'ai récupéré. Il n'avait pas prévenu qu'il y avait des rats gros comme des sangliers ici. Ouais, mais il avait dit qu'il y avait des rats. D'accord, c'est derrière.
Regardez, du pinard. Cool. Il faut trouver des crânes d'ennemis pour boire dedans. Mais quelle horreur. C'est comme ça que boit Chrome. Mais ça doit couler par les trous des oreilles. Du château Trouillac. C'est un grand cru. Il y en a pour une fortune. Faudra faire gaffe à rien casser alors. On pourrait la garder pour nous. C'est pas très honnête. Richesse et honnêteté sont des concepts peu fongibles. On peut s'en désoler, mais le constat est là. Moi, je préfère la bière. Mais bon, on pourrait le vendre. Bon, on va déjà sortir de cette cave misérable. On verra après. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et après, on y aura pété la gueule. Bon, bah c'est fermé. On va aller péter la gueule. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y a que ça. Mot de passe ? Facile, c'est... Mandoline ! Sinon, une arbalète, ça peut faire de la musique. Mais non, c'est Caracas. Mais qui sont chiants, ces deux-là ? Vous êtes nuls. C'est Maracas. Ah oui, Maracas. C'est bon, entrez. Vous venez pour jouer ? Vous n'avez pas l'air très en fond. Pourquoi il parle du fond de l'air ? Il est frais ? Nous venons pour la reconnaissance de dettes de Midrantir. Ah, quand même. Bon, vous allez payer alors ? Quoi ? Plutôt mourir ! Par curiosité, il y en a pour combien si on veut la récupérer ? 6000 pièces d'or. Fichtre ! Et est-ce qu'on pourrait s'arranger autrement ? Bien sûr. On prend aussi les joyaux ou les objets magiques. Ou même les armes enchantées. Midrantir nous a déjà fourgué une épée à deux mains pour payer une de ses ardoises. Si vous n'êtes pas plus coopératif, je devrais vous faire rosser par les manants qui m'accompagnent. Je vous soignerai ensuite, bien entendu. Euclide le commande. Si vous le prenez ainsi, ça va mal finir. Attendez. En fait, nous avons un problème. Ah oui. Oui, regardez. Cette épée est bien trop affûtée. Il faut l'émousser sur un crâne d'orque. Baston ! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon stream ? Je viens de voir un truc qui vient de... Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ils sont un paquet, lui, donc. Tout est bon. Un petit souci. Mais ça filme, donc. Mon retour est bon. Merde. Je sais pas ce qui se passe. On verra. Alors.
moi. Hommes cassés. À moi. Tous ces combats. Oh merde, je suis débile, j'ai même pas vu qu'il était mort. Oh bordel, c'est pas possible. Je comprends pas, mon stream il a du retard. Un bon orc est un orc mort. Un souci de stream. Même pas mal. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Le ranger. Non mais vas-y Chrome, va mourir quoi. Des orques, par Chrome, on va leur latter la gueule. Oh God.
pourquoi j'ai pas soigné Chrome? Je suis débile en fait. Ah tiens! Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'aurais pu soigner un mec là. Cassé. Besoin d'aide. Il faut que je soigne Chrome. Attardez ton tour. Le nain. Dans tes genoux. Je vais le guérir avec la prêtresse. Je sais comment faire. Ah là là. Ah non, il est pas mort. J'ai cru qu'il allait mourir. Ah bah là oui. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Qu'on tape. Oh. Ok, comme ça, ça meurt. J'aime pas les orques. C'est encore plus laid que les nains. Ouais, j'aime pas les orques, c'est encore plus laid que les nains. Il a tué son pote, ça c'est cool. Ça se passe. On va attaquer le chef. Oh, ça fait mal ça. Non, ne meurs pas, Grom. Même pas mal. Mais non, je suis toujours en direct. Pourquoi il veut pas se mettre en direct? Pourquoi tu diffuses plus, toi? Ah si, voilà. Désolé, petit souci de... Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu devais faire, toi? Ah, bah oui, toi tu devais soigner. Soigner Chrome. Baston. Et puis on va. Bon, on va toujours attaquer le même. Hein. Faut attaquer le chef. Bon, après ça m'écœure un peu quand tu as la rate, mais bon. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique.
Attends, Chrome, il remord? Ouais, non, mais c'est bon. Ah, il n'y a pas Chrome, il y a aussi le... Qu'est-ce qu'il fait, le voleur? Il est par terre, lui. Il a assommé, qu'est-ce qu'il a eu? C'est compliqué, là ça devient compliqué. Si ça fait n'importe quoi aussi, hein. Vous connaissez la blague de l'orque bourré? Ça va mieux. Toga, voilà. Voilà. Mon merde. Critique. Ah, c'est le barbare. J'ai envie de tenter ça. C'est bien, c'est passé. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il a, il a ça lui aussi. Tiens, je m'émâche où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Bam. En fait, si mine de rien, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Il y a eu pas mal de morts, mais bon. Le barbare peut rien faire. Raté, c'est la faute de l'elfe.
rien faire. Trop loin. Je sais pas si vous entendez ce que je dis, mais je suis encore une fois désolé, hein. De l'outre. Non, mais j'attaquais pas vraiment. Place à une noble personne. Alors, l'épée de demain, la clé de la réserve du tripot, un arc, un bandeau, une ceinture. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Parfait. La reconnaissance de dette était sur le corps du chaman. Bon, ça devrait contenter Midrantir. Il avait une épée sur lui. Bon acier. Sa poutre,
Ouais, apparemment le métal a subi une bonne trempe à l'huile de bouc. Et puis l'acier a été bleui au tritile. C'est du boulot d'artisan nain. C'est une épée, quoi. Tais-toi, t'y connais rien, face de bosquet. Et toi, tête d'enclume. Mais c'est un compliment chez nous, pauvre naze. C'est bizarre quand même, cette épée dans le tripot. Tiens, il y a une petite étiquette dessus. Midrantir, dépôt pour 1000 pièces d'or. Peu importe, on a la reconnaissance de dette. On peut retourner voir le sorcier au carré VIP. Moi, je garde l'épée. Ouais. Peut-être faudrait-il enlever cette étiquette. On nous a demandé d'être discret. Non ? Personne m'écoute, là. Hmm ? Ça, ça doit être la réserve. On va aller voir l'autre porte. Ça met nous là. D'accord. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Ah, cette bibliothèque est incomplète. Une petite plaque indique au-dessus du raisin. Brève histoire de la culture orque. Collection complète, hein, gagné un point d'impact. D'accord. Et on peut lire les livres, d'accord. Bah, c'est cool. On n'est pas supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges. Sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ou est-ce qu'on passe notre chemin? Pourquoi pas? Allons-y! Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle, qui renferme un trésor doré. Que suis-je? Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle, qui renferme un trésor doré. Qui suis-je? Non, je l'ai pas. Bon bah on s'en va. Pauvre Mou, comment allons-nous botter en rythme les derrières du mal sans lui? Il a l'air taré ce type. On dirait plutôt un ranger. C'est loin d'être incompatible. Laveuse de pichet! Ça va pas camarade? J'ai perdu Mou, mon compagnon d'aventure. Comment triompher des méchants sans lui?
Qui va garder mes arrières? Qui va terrasser les créatures immondes? C'est ennuyeux de perdre un compagnon. À quoi ressemble-t-il? C'est le plus courageux, le plus fort et le plus terrible des hamsters géants minuscules. Avec Binsk et Mou, on s'éclate. Des hamsters? Ah oui, c'est... On se rend pas compte. Malheureusement, je ne peux rien pour restaurer la santé mentale d'un être à l'intellect aussi limité que celui d'un rongeur. Sans Mou, Binsk est juste un ranger sans espoir et sans but, inutile et naze. Un peu comme tous les rangers. Ah ça va, c'est pas drôle. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? J'étais aux toilettes, j'ai posé Mou pour pas qu'il sente les mauvaises odeurs, et quand je suis sorti, il était plus là. Écoutez, camarade, on va voir ce qu'on peut faire pour le retrouver. Merci. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Mou, où es-tu? Oh, les jolis dessins, c'est quoi? C'est ça, Mou? Ouais, mais il faut pas... Faut passer par ici, je crois. Parce que là, il y a une grille. Je vais aller voir, mais... Mais j'ai bien l'impression. Ouais, Mou, il est là, il est derrière. Ça doit être derrière. Il faut que j'active ça. Et pour activer ça, il faut... Bah, je sais pas par où il faut passer. Alors, que je mette la carte à jour. Ouais, c'est par ici, il faut que je passe, je crois. Bon, je vais me casser parce que lui, il vomit, là. Dégueulasse. Je crois que c'était une armoire où on pouvait mettre les livres. Mais en fait... Non. Allez, la taverne. Mais il est où l'autre? Si ça sent, c'est mes bottes. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte.
Alors, vous avez été faire un tour à la cave? Vous avez trouvé le Jaja? Ouais, le voici. Ah, super, merci. Je vais pouvoir abreuver du bourgeois. Vous avez bien mérité un petit coup à boire. Tenez, pour la peine, une bouteille du lot. Et c'est du bon, parole. Du vin de qualité pour une personne de qualité. Je pense que cette bouteille devrait m'être réservée. D'accord. On donnera le vin à l'ogre et on te laissera la bouteille. Noble archimage consultant, voici votre reconnaissance de dette. Ah, très bien. Détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil. Donc, au sujet de l'amulette... Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis fait baiser. Ah oui, d'accord. Le rôdeur. Hé, hey, regardez ce type bizarre. Je crois plutôt que c'est un homologue. C'est un genre de docteur, un homologue? Je crois que tu confonds avec un proctologue. Je ne suis pas un ranger, je suis un rôdeur. Il y a une différence? Absolument. Les rôdeurs sont de vrais aventuriers. Comment il t'a cassé? Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladolfera. On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est... étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non? Bonjour. Vous êtes bien le collègue de Midrantir? En effet, je suis le Monster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang. Que voulez-vous? Votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un fromagicien? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie. Wikimambert, l'encyclopédie universelle du fromage. Wikimambert. Y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Monsieur Immonde! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qu'il refuse de me céder pour un prix décent. Il s'agit d'une meule de fromage de Glargue. J'ai essayé de lui faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurai me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromager. Nous saurons aller droit au cœur de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noir. Oui, oui, vas-y. C'est où? C'est là? Très bien. Allons-y. Est-ce que j'ai tous les livres ? Bonjour au chef cuistot. Quoi? Que faites-vous ici? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes.
Vous voulez quoi? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais boucle-là! Nous recherchons une meule de fromage de Glargue. Ah ça, ben oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fente sauvage. Et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Et il s'est barré. Bon, le clacos, il est là. Alors. Le gros, faut le mettre là. Le nain. Je vais te mettre ici. Le barbare. Je vais te mettre ici. C'est quoi? C'est le ranger. Je te mets à côté. Le voleur. Ouais, tu vas rester là. La prêtresse. Ici. Ici. Ici, c'est bon. Je vais vous désintégrer. Serrez les rangs! Hélas, je pensais avoir trouvé un champion. Les ratatouilles, toi. Oh là là, ça commence. Je suis là! Non, je précise! Parfois, on ne me remarque pas. Luma, Agvo, Zatini! Incanté, éliminé! Échec critique. Oh là là, mais t'es vraiment... Je te parle plus, encore. Aïe! À moi. Magnifique. Magnifique.
Pourquoi ils m'ont attaqué? J'ai pas bougé. Ah putain, si j'ai bougé. Putain, je suis un débile. Dans ta gueule. Ouais, dans ta gueule mon cul, ouais, t'as rien fait. C'est vraiment trop injuste. Ouais, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Attention, les rats, ça mange les livres. Je vais remettre du soin, mais sur qui? Sur le ranger? Sur la prêtresse? Ça sert à rien, la prêtresse. Réfléchis. Faut soigner là. Oh, oh, que s'est-il passé? Oh, allons-y. Ah, c'est qu'une égratignure. À moi. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est quoi ces attaques? C'est bon, j'ai plus envie de jouer en fait. Un troll, il faut viser les yeux. Ah, attaque d'opportunité. Laisse-la tranquille. Font des échecs critiques, d'accord, mais bon.
Ça touche pas, hein. J'aime pas trop les rats. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. À moi. Allez, comme dirait l'autre, on reprend courage. On attaque pas fort. Hein. Non mais c'est pas possible, je viens de lui remettre toute sa vie, le mec il lui met un coup, c'est le one shot quoi, non mais... Vas-y c'est bon, vas-y bouge. Bam. Et lui il est mort. Attaque d'opportunité, ouais. Oh là là. Remercions le guérisseur. Ah, attaque d'opportunité. Pourquoi j'oublie toujours ça? Merde. C'est lui qui va les défoncer. Voilà. Tout ça pour un vieux fronton. Prends ça face de l'autre. Le nain. Tout le monde est mort. Tout le monde va sur le nain, d'accord. Il va bouffer. Ah bah oui, tout le monde est mort. Il reste que le nain. Sale bestiole.
Allez, c'est fini. On a perdu. Je sais pas, moi, c'était laquelle Non. C'était quoi l'autre? C'était avant de rentrer, non? Quand est-ce que ça avait sauvegardé avant de rentrer dans le... Après la conversation, ou s'ils mettent pendant le combat, ce sera celle d'en dessous. Je sais pas. Première mort. Ah ! Ben non, c'est pas là. Ça, je suis désolé, les images sont tellement petites, on voit rien du tout. Merde, qu'est-ce que je fais? Mes amis, alors vous avez... Ouais, le voici. Ah, super. D'accord. Bonjour. Vous êtes bien le coach. Votre... Excusez-moi. Ah oui, bon, c'est pas comme ça. Nous serons... Je vous attendrai au Caribbean. Bonjour, nous cherchons le chef cuisinier. Il est dans la réserve, mais je serai vous, je n'irai pas. Pourquoi? Il a des tentacules qui sortent de son calebar? Disons qu'il a un peu chafouin. Un sorcier pénible n'arrête pas de chercher à l'entourlouper. Ça a l'air bon ce que vous cuisinez, c'est quoi? Du boudin aux pommes.
Que voilà une belle mise en abîme. On va mieux se préparer. Quoi ? Bah, que faites-vous ici ? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Vous voulez quoi ? C'est bientôt... On va s'agglutiner. On va essayer ça. Serrez les rangs. Raté. Enfin, ça s'expliquera bien. Je critique n'importe quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est normal, c'était prévu. Ouais, c'est prévu. À moi ! Plus ou moins. Même pas mal. Bon, ça, c'était pas vraiment prévu, mais on va dire que c'était prévu. Barbare. Pas maintenant. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. J'aurais dû faire son coup de double. Chef.
font jamais mal. Oh, c'est joli ça. C'est joli comme attaque. Ouais, c'est une jolie attaque. Je vais soigner. Attention, les rats, ça mange les livres. Je suis un débile. J'ai cru que c'était l'orque. Purée de pommes de terre. Quel gaspillage. La mort frappe sans bruit. Ouais, la mort frappe sans bruit, t'aurais pu au moins faire des dégâts, quoi. C'était prévisible. Par contre, ça, non, ça, c'était pas prévisible. Pour dire la vérité, j'avais pas du tout prévu ça. Prends ça, fiente de poule asthmatique! Je suis dans la merde. Dans ta gueule. Même pas en rêve. À moi. Oh là, bah là on est tous morts. Plus baston. Oh merde, putain, mais je suis un débile profond, sérieux. Ouvre les yeux, quoi. J'appelle pas ça renversé. Tu croyais quoi, qu'un an s'est pas bougé? Ah oui, il y a du feu par terre ou je sais pas trop quoi, mais il est mort.
Merde! À moi! Ouais, non, mais j'ai clairement... Je ne sais clairement pas jouer, en fait. Je suis vivant! Serrez les rangs! Aïe! Putain, non mais voilà, ça donne plus envie de jouer. T'appuies, le mec il dit, il fait des coups dans le vide. Bah non, ça te donne plus envie de jouer. Boum. Il vient de se relever. Hein. Je dis ça, et je dis tout. Même pas mal. Chrome sera content. Hop, tu la vois ma capuche? Serre les dents. Ça, mauviette. Aïe. Dans le genou. C'est cool, il l'a raté. Obligé de l'attaquer. Et là, j'ai envie de me casser en fait. Je vais faire ça. On verra bien. Ah! Bah, j'aurais pas dû bouger. Bon, bah ouais, j'aurais clairement pas dû bouger. C'est trop. Bon, c'est pas grave. C'est injuste. Pas grave. Y'a pas attaqué le jeu. Putain. Fait chier avec ces trucs d'AOE lui. Même pas mal. Ça poutre. Ah putain, j'ai fait le con. Dans tes rêves. J'ai fait le con, j'ai bougé, j'ai cru que j'allais pouvoir attaquer, mais j'ai vu qu'après que c'était... C'était pas ça, en fait.
tiens. Prends ça, face de l'outre. Ah, punaise, j'aime pas les trolls. Oh, c'est qu'une égratignure. Attention. On va mettre sur le voleur. Oh non. Bon bah voilà, j'ai perdu. C'est pas possible ça, le nombre de ratés. Puis quand il tape, il touche rien, c'est... Je sais pas ce qu'il nous a fait, mais... Dégage. Oh, mais ça pique. Et tu payes pour... Je mets le truc pour qu'il ait une chance de renverser et... Enfin, pour que ça renverse et ça fait rien. Eh ben, l'ogre gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. Alors, et je peux pas soigner. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Voici le... Faut que je regarde dans mon inventaire, je crois que j'ai des armes pour les... C'est comme pour les bottes des maisons oncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac et fichons le corps. Non, tu n'en mangeras pas. C'est un objet de quête. Bon, retournons voir le master.
Attends, d'abord on doit faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des promotions. L'elfe. Ah, pour remettre du soin, ce serait pas mal. Super! On se fait un câlin? Ah, je l'ai déjà. Youpi ! Je m'améliore. On a besoin d'une hache. Youpi là, cadoum calé. Voilà, on va pouvoir lui mettre son marteau. Je progresse d'heure en heure. Ah, chic! De nouvelles compétences. Je suis plus fort. Ouais, je suis balèze.
de nouvelles compétences, de nouveaux risques à prendre. Je m'améliore. Pour combien de temps ? Dégagez les Nazbrock, je suis trop puissant. Comment je savate les poneys? Voilà. Les barbares gagnent un niveau. Et maintenant... Zut, c'est le foutoir là-dedans. On va regarder si on n'a pas du loot. Des godasses. Combien? Protection, carnage. Protection, adresse. J'ai des noisettes pour les écureuils. Attends, on avait pas chopé... Il avait pas chopé un arc? J'avais cru. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Pas mal du tout. Avec ça, j'ai l'air puissante. Y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Ah non, pas mes poches. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Il
est inconvenant de fouiller la robe d'une dame, sauf si elle vous y invite. Bon, c'est bon. Le nain gagne un niveau. Le voleur gagne un niveau. Bon, c'est bon, on a botté le cul de tout le monde. Allez, bon, on est reparti. Hein. Ah, je sens d'ici le fumet incomparable du lait de brebis fin fermenté dans les outres en peau de morschlag. Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins. Oh. Nous sommes heureux de vous en faire présent. Oui, et puis, ça soulage. Si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant, ça ferait peut-être passer l'odeur. Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent. Nous espérons que vous allez pouvoir nous aider. En ce qui me concerne, oui. Mais il me faut l'assurance que mon confrère est satisfait, quand bien même il est inculte en matière de préparation fromagère artisanale. Noble archimage consultant, voici votre reconnaissance de dette. Ah, très bien. Détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil. Donc, au sujet de l'amulette... Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger. Et d'ailleurs, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la! Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème. Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la caisse des donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment il s'écoute parler ? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette, en plus ça rime avec mimolette. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé. Ils échangent en langage des arcanes, on n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil, et c'est plus amusant. On s'en balance. Tout vient à point, à qui sait attendre, c'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée. Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit, quel scoop! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque, mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage. Demander à un démon? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon, même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas de pareil, ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au quatrième étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, au pis de la vache en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au quatrième étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au troisième semblent condamnés et sans troisième étage, pas de quatrième. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage. Et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières.
Une dernière chose. Il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Bon, bah... C'est parti, le troisième étage. Là c'était déjà chaud, alors le troisième, en plus j'ai l'impression que mes bonhommes ils frappent pas, contrairement aux ennemis qui nous défoncent. Ah, ça sent les peaux vertes ici, ça empeste le gobelin. Combattre. J'aime pas les gobelins, ils sont sales et ils mettent le bazar partout. Et puis, ils coupent les arbres et font des choses avec les écureuils. Dit comme ça, tu les rendrais presque sympathiques. Mais ce sont mes pires ennemis. Ils creusent dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. Alors, miam miam, Kobo. Laisse-moi deviner. Il dit que c'est bon à manger. Toi, tu fais des progrès en ogre. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Ah, là il y a une porte. Mais clairement, on doit avancer par ça. Ah bah voilà. Aventures avec de la magie, c'est vraiment la mouise. Pas le sambouille, c'est fermé. Eh ben, tu ne crochettes pas. C'est étrange. La forme de la serrure ne ressemble à rien de connu. On dirait un assemblage de plomberies. Dis plutôt que t'es aussi doué en crochetage que moi en tricot pour poney. C'est bien pourtant de tricoter pour les poneys qui ont froid l'hiver. Sur ma fiche de perso, je n'ai pas mis de points en crochetage. Je suis un voleur, pas un cambrioleur. Il y a une pancarte. C'est écrit, suite à des excès de boissons, l'accès au quatrième étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne savez pas lire, tant pis pour vous. Signé Revax, intendant principal. Et voilà, tant pis. C'est dommage, si près du but. Il n'y a plus qu'à repartir à la taverne et attendre la fin du monde dans ce dernier bar. C'est bizarre, les pattes de mouche ressemblent à des dessins gobelins. Attention, je crois qu'on vient. Qu'est-ce que vous faites là? Cet étage est interdit aux traînes-patins. Ah! Encore un gobelin qui parle! C'est complètement anormal! Demi-gobelin, espèce de nabo grincheux. Et je suis l'intendant principal du donjon, dans un robinet. Ah! Vous tombez bien! On voudrait la clé pour le quatrième étage. Et on aimerait bien essuyer nos crampons sur ton visage. Tapez! Oh, vous êtes trop pouilleux pour que je perde mon temps avec vous. Garde, massacrez-moi ces débiles! Pour la gloire du maître! Ils sont un paquet, là. Comment je vais gérer ça, moi?
Bah là, ils peuvent pas passer. Donc le gros, il va se mettre là. Non, par là. Oh, putain, je me suis trompé. Voilà, désolé pour la prépa, mais... Vas-y, ta broukis ! Bah c'est parti, vas-y, bras de broukis, là. Il a glissé. Alors, nous jouons avec le Ranger. Qui, pour des raisons pratiques, va nous mettre un bouclier. Le barbare. Qui va taper. Ah, voilà. Ton courage. Yaton. Pistolet ou un fusil, un truc comme ça. Le nain. Dans ta gueule. Ah, c'est pas de l'explosion ni rien. Ouais, j'ai cru que c'était un truc qui explosait. Ok. Grand gnome machin là. Ça c'est fait. Attends, il est passé lui. Il peut passer là entre nous. Ah oui, d'accord. Ah oui, merde, j'aurais dû mettre le nain ici en fait. Ou ici. C'est ici que j'aurais dû mettre le nain. Bon, c'est pas grave. Nul, zéro.
Ouais, il faut que je fasse avancer le nain. Ils sont trop moches, bouh! Alors, c'est qui joue? C'est le Ranger. Dans ta gueule. Voilà. Le nain, il est bien là. Tiens. Ah bah voilà, je les ai touchés. C'est qui maintenant? L'ogre. Oh, il tape plus fort maintenant avec son marteau. Attention, ils vont me tirer les cheveux. Pardon, Bergy. Sac à fiente de chèvre. Ouais, bah lui, il faut le soigner urgemment. On va faire ça. Faire le Ranger, il soigne lui. Serre les dents. Baston ! Ah, enfin des adversaires faciles. Enfin, je crois. Ah!
encore là. Toga, voilà. Bon, c'est raté, mais c'est pas grave. Ça se passe très très bien là, c'est tranquille. Ça déroule quoi, ça. On est bien positionné, les mecs qui viennent, on tape. Ça bouffe, mais ça se passe bien. Allez, Ranger. Tu es où, toi, le Ranger? Tu es là. Mais si, ils arrivent à passer à chaque fois. C'est quoi ce délire? Bravo, se bat dans un gourbi-gobelin, c'est minable. Dommage. Luma, Agvo, Zodini. Ah oui, non, mais faut pas rater là, sinon ça sert à rien. C'est bien ça. Tout est sous contrôle. Oui, non, mais je gère. Et si ça passe, c'est pas mal. C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave. Barbara.
Ouch. Ah merde. Ah tiens. Et voilà. Par la petite qui est tombée, mais... Tiens, grand combat. Trinquons à la santé de Chrome. Ouais. Trinquons à la santé de Chrome. On a eu quoi? Bombe glacée, ça. Ça, c'est quoi? Des chaussures pour le nain. Et une épée. Et un truc, d'accord. Nain, Ranger. Et l'autre. Comment il s'appelle? Et voleur. Alors, zut, Ranger. C'est le foutoir là-dedans. Ah si, c'est ça. Alors, lui, il avait 14, 18, 22... Ouf. On va mettre ça. Précision 10. Précision 10. Critique 5, critique 5. Machin 15, 15. Ben, voilà. Excellent. Tu es upgradé. Ah non, pas mes poches. Il y avait un truc pour toi, c'était quoi? Il me reste de quoi que prendre des notes. Que voulez-vous, roturier ? On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Alors, 2, 10... Pas mal. Ben voilà. J'ai peur en avoir un autre. Des bottes de nain. Ouais, puis voilà. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Mais ça pue ici.
Bon, puis sur ce, on va s'arrêter là. Hein. On va sauvegarder. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui a été fort... j'ai eu des petits soucis. En tout cas, je vous dis encore merci à tous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.